Nous allons montrer ici, par deux théorèmes, qu'il y a un lien étroit entre intégrale et primitive. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les écrit de la même façon. Attaquons le premier théorème, le théorème d'existence d'une primitive qui dit ceci. Si f est une fonction continue dans un intervalle ouvert CD, et si le nombre a est un élément de cet intervalle ouvert CD, alors la fonction grand F qui va de cet intervalle ouvert CD dans l'ensemble R et qui à tout nombre x associe l'intégrale de A à x de f de t dt est une primitive de petit f dans cet intervalle ouvert CD. Avant de démontrer le théorème, deux remarques. Pourquoi est-ce que l'intervalle CD doit être ouvert? Parce que cette fonction-là étant une primitive de petit f, ça signifie si nous dérivons cette fonction grand f, nous devons trouver petit f. Et une dérivation n'est définie que dans un intervalle ouvert. Par définition même d'une dérivée, qui est une limite des deux côtés. C'est pour ça que l'intervalle CD doit être ouvert. Deuxième remarque, ce théorème montre bien que toute fonction continue dans un intervalle ouvert a une primitive dans cet intervalle ouvert, vu que ceci est une primitive. Pour démontrer ce théorème, il suffit donc de démontrer que la dérivée de cette fonction-là, c'est petit f. Voyons d'abord, est-ce bien une fonction? Dessinons cette situation-là. Donc, nous prenons un nombre x dans l'intervalle ouvert CD, par exemple celui-là, et à ce nombre x, cette fonction grand f associe l'intégrale de a à x de f de t dt, ce qui signifie, à ce nombre x là, cette fonction grand f associe l'aire de cette surface là. Et l'aire de cette surface dépend bien du nombre x, parce que si x varie, alors l'aire de la surface varie également. Donc ce grand f, c'est bien une loi qui, à ce nombre x, associe cette aire grand A de x. Donc il s'agit bien d'une fonction, puisque l'aire varie avec x. Démontrons maintenant que cette fonction est bien une primitive de petit f. Pour démontrer que cette fonction-là est une primitive de petit f, il suffit de prouver que la dérivée de ce grand f de x est égale à petit f de x. Donc, pour démontrer ce théorème, il suffit de démontrer que grand f' est égal à petit f. Et ça, nous allons le démontrer en un nombre u donné. Rappelons-nous de la définition de la dérivée. On nous donne un nombre a dans le domaine de définition de la fonction petit f et nous calculons la limite pour x tendant vers a de ce quotient de différence. Si cette limite-là est un nombre réel, alors on le désigne par f' de a et ainsi par le calcul de cette limite, à ce nombre a, on associe ce nombre f' de a. Et cette loi d'association, c'est ça la dérivée f' de petit f. Maintenant, pour ne pas confondre ce petit a de la définition de la dérivée avec ce a donné dans l'énoncé du théorème, nous allons simplement transformer tous les a ici en u, comme ceci. Et c'est pour ça que j'ai pris la lettre U ici. Donc pour calculer f' de U, appliquons la définition de la dérivée, c'est-à-dire le grand f' de U, c'est la limite pour x tendant vers U
de grand F de x moins grand F de u divisé par x moins u. Le grand F de x, ça c'est par définition de grand F, cette intégrale-là. Et le grand F de u, ça c'est la même intégrale où nous remplaçons la lettre x par la lettre u. Donc grand F prime de u est égal à cette limite-là. Ici, nous allons permuter les deux bornes d'intégration, donc on va mettre le a en haut et le u en bas. Alors il faut opposer l'intégrale. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous allons permuter ces deux termes-là, et alors nous avons intégrale de u jusqu'à a de f de t dt plus l'intégrale de a jusqu'à x de f de t dt. La somme de ces deux intégrales, ça donnera donc l'intégrale de u jusqu'à x de f de t dt, comme ceci. L'intégrale de u jusqu'à x de f de t dt. Allons regarder ça dans le dessin. Imaginons que voilà le nombre u et voilà la variable x qui tend vers u. En fait, ceci, cette intégrale-là, ce n'est rien d'autre que l'aire de la surface qui est délimitée par le graphique de la fonction et l'axe des x entre les deux nombres u et x, entre u et x. Donc cette intégrale-là, c'est pratiquement l'aire de ce rectangle moins ce petit coin qui est de trop. Oui, mais si x tend vers u, alors l'aire de ce petit coin qui est en trop tend vers 0. Le petit coin qui est en trop devient de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit et tend vers 0. Donc, puisque ce petit coin qui est trop tend vers 0, ça signifie que cette intégrale est à la limite lorsque x tend vers u, égale à l'aire de ce rectangle. Encore une fois, si x est vraiment tout ou proche de u, alors l'intégrale de u jusqu'à x de f de t dt, c'est la même chose que l'aire de ce rectangle, c'est-à-dire la base x moins u fois le f de u. Mais ça uniquement parce que x tend vers u. Donc, nous pouvons remplacer cette intégrale-là par l'aire de ce rectangle, c'est-à-dire x moins u fois petit f de u. Le x, il tend vers u. Ça signifie qu'il se rapproche de plus en plus vers u. Mais le x ne vaut pas u. X se rapproche de u. Et comme x n'est pas égal à u, c'est que x moins u n'est pas nul. Et alors, nous pouvons ici simplifier par x moins u, et finalement, il reste la limite pour x tendant vers u du nombre f de u. Oui, mais f de u ne dépend plus de la variable x. Donc, c'est la limite de cette constante f de u qui est égale à cette constante f de u. Ce qu'il fallait démontrer. Passons maintenant au deuxième théorème qui exprime le lien entre intégrale et primitive. Ce théorème s'appelle théorème de Newton-Leibniz, en honneur du mathématicien et scientifique anglais Sir Isaac Newton et également en honneur du mathématicien et scientifique allemand Gottfried Wilhelm Leibniz. Ce théorème s'appelle également le théorème fondamental du calcul intégral. Et il dit ceci. Si petit f est une fonction continue dans un intervalle ouvert CD, et si l'intervalle fermé AB est inclus dans cet intervalle ouvert CD, comme on le voit ici dans le dessin, et si une primitive de petit f dx est égale à une constante additive près à grand F de x dans cet intervalle ouvert CD, alors on a ceci. Pour calculer l'intégrale
de A jusqu'à B de f de x dx, il suffit d'exprimer cette primitive en petit b, il suffit d'exprimer cette primitive en petit a, et puis de soustraire du premier nombre le deuxième. Pour démontrer ce théorème, nous partons de cette idée-ci. Ce grand f est une primitive de ce petit f. Oui, mais cette fonction-là est aussi une primitive de ce petit f. Par conséquent, nous avons ici deux primitives d'une même fonction petit f. Donc, ces deux primitives ne peuvent différer que par une constante additive, ce qui signifie que la primitive grand f de x, c'est la même chose que cette primitive-là, primitive de petit f, plus un nombre constant. Et ça, pour n'importe quel nombre x dans l'intervalle fermé AB. Donc aussi pour le nombre A. C'est-à-dire, si dans cette égalité-là, nous remplaçons le x là et là par A, l'égalité doit être correcte. Ben faisons ça. Ainsi, nous obtenons cette égalité-ci. Oui, mais l'intégrale de A jusqu'à A de la fonction petit f exprimée en t dt, l'intégrale de A jusqu'à A de petit f de t dt, exprime l'aire de ce trait. Cet aire est nul. Par conséquent, nous avons ici 0 plus c, c'est-à-dire c. Donc, cette constante c dont nous avons parlé là, doit être égal à grand F de A. Retenons cette idée-là, et ainsi nous savons que pour n'importe quel x dans l'intervalle fermé AB, le grand F de x, c'est l'intégrale de A jusqu'à x de F de t dt plus grand F de A. Et cette égalité-là, elle doit être vraie pour n'importe quel x dans l'intervalle fermé AB. Donc aussi, pour B. C'est-à-dire, si nous remplaçons x là et là par la lettre B, l'égalité doit être correcte. Eh bien, faisons ça. Voilà, c'est fait. Et dans cette égalité-là, nous faisons juste encore passer le grand F de A de l'autre côté, où il va être muni d'un moins. Nous obtenons donc ainsi que l'intégrale de A jusqu'à B de f de t dt est égale à grand F de B moins grand F de A. Et maintenant, dans cette intégrale, la variable s'appelle t, la lettre x était réservée comme borne d'intégration, mais ici plus. La variable, on peut l'appeler comme on veut, mais pas A et pas B non plus. Donc, on peut l'appeler comme d'habitude x. Donc, nous avons bien trouvé la formule annoncée. Retenons encore cette formule-là, qui dit que pour calculer cet r-là, on calcule l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx. Et pour trouver cette intégrale, il suffit de déterminer une primitive de petit f, appelons-la grand F, et de calculer la variation de cette primitive grand F de A jusqu'à B. C'est-à-dire, on calcule grand F de B, nombre qui est en haut, moins grand F de A, nombre qui est en bas. Écriture pratique dans le calcul intégral. Pour calculer l'aire de cette surface-là, on calcule l'intégrale de A à B de petit f de x dx. Et pour calculer cette intégrale, il faut d'abord calculer une primitive de petit f de x. Appelons-la par exemple grand F de x et écrivons cette expression grand F de x entre crochets. À droite des crochets, on met le nombre B qui est en haut, et le nombre a qui est en bas, en bas. Maintenant, nous exprimons ce grand f de x d'abord avec le nombre qui est en haut, donc on exprime d'abord grand f de b, et puis on calcule moins
le grand F de x exprimé en a. Donc, on calcule grand F de b moins grand F de a. Voilà une écriture pratique pour calculer une intégrale. Encore rapidement, deux propriétés des intégrales. Bien sûr que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, puisque c'est déjà vrai pour les primitives. On a la même propriété pour une différence. L'intégrale d'une différence, c'est la différence des intégrales. Et aussi dans les intégrales, une constante multiplicative vole dehors. C'est vraiment le destin des constantes multiplicatives. Elles volent toujours dehors. Passons maintenant à trois exemples concrets. Commençons par notre exemple introductif qu'on a déjà résolu par la méthode de Riemann. Nous calculons l'aire de cette surface-là, qui est délimitée par le graphique de la fonction x carré et l'axe des x, et ce, entre les nombres 0 et 2. L'aire de cette surface, c'est donc bien l'intégrale de 0 à 2 de x au carré dx. D'après ce théorème-là, il suffit maintenant de calculer une primitive de x au carré, ça c'est x cube divisé par 3, de mettre cette primitive entre crochets, et maintenant de calculer cette primitive d'abord avec le nombre qui est en haut, ensuite avec le nombre qui est en bas, et puis soustraire le deuxième nombre du premier. Donc on doit calculer ceci. On exprime cette primitive en 2, 2 au cube divisé par 3, ça fait 8 tiers. Ensuite, on exprime cette primitive en 0, 0 au cube divisé par 3, ça fait 0 tiers. Et on soustrait le deuxième nombre du premier. Donc d'abord, toujours exprimer la primitive avec le nombre qui est en haut, et ensuite avec le nombre qui est en bas, et soustraire le deuxième nombre du premier. Et on trouve effectivement 8 tiers. C'est bien la réponse qu'on avait annoncée avec la méthode de Riemann. On trouve 8 tiers. Mais 8 tiers quoi? Ce sont des mètres carrés ou des centimètres carrés? En fait, ce sont 8 tiers carrés unitaires. Donc, dans cette surface brune-là, on peut mettre 8 tiers de ce carré-là. 8 tiers de ce carré, c'est 2 fois le carré plus 2 tiers. Donc, c'est une fois le carré, une deuxième fois le carré, plus 2 tiers de ce carré unitaire. Essayons de vérifier ça. D'abord, ce carré unitaire-là, je vais le mettre un peu plus vers la droite. Voilà, à peu près. Voilà. On voit bien que ce carré, on peut le placer sur cette surface brune-là. Ce carré-là, je vais le déplacer un peu vers la gauche, comme ceci. Et les deux tiers d'un carré unitaire, je vais également les déplacer un peu vers la gauche, comme ceci. Et ces deux petits coins qui sont de trop, on peut les découper avec les ciseaux le long de la parabole et les placer comme petit puzzle là-dedans et là-dedans. Il faudra encore les couper en petits morceaux, mais ça va exactement là-dedans. Donc, la réponse 8 tiers a des grandes chances d'être juste. Elle est juste. Si on avait trouvé ici 25, ça voudrait dire que dans cette surface brune-là, on pourrait placer 25 carrés unitaires, ce qui est certainement faux. Un deuxième exemple, calculons l'aire de cette surface brune-là, c'est-à-dire l'aire d'une bosse sinusoïdale. Pour calculer cette aire, on calcule bien sûr l'intégrale de 0 jusqu'à pi de sinus de x dx, de 0 parce que la bosse commence à 0, jusqu'à pi parce que c'est en pi que le sinus s'annule de nouveau. Donc, ce nombre-là, c'est bien le nombre pi. Calculons d'abord une primitive de sinus de x.
On prend bien sûr moins cosinus de x. Ensuite, on exprime cette primitive d'abord en pi, puis en 0, et on soustrait le deuxième nombre du premier. Le cosinus de pi, c'est moins 1, et le cosinus de 0, ça c'est 1. Donc, le calcul qui reste à faire, c'est moins moins 1, moins moins 1. Et ça donne 2. Ce qui veut dire que l'aire de cette bosse sinusoïdale vaut 2 carrés unitaires. Réponse qui a des grandes chances d'être bonne. Elle est correcte. Si on avait trouvé ici 25, ça voudrait dire que sur cette bosse sinusoïdale-là, on pourrait placer 25 carrés unitaires, ce qui est certainement faux. Donc, vérifions chaque fois si l'intégrale trouvée correspond bien au dessin, c'est-à-dire si au moins elle a des chances d'être bonne. Passons au troisième exemple. Ça, c'est le graphique de la fonction x carré, et ça, c'est le graphique de la fonction racine carrée de x. Et nous allons calculer l'aire de cette surface-là qui est renfermée par ces deux graphiques. Donc, nous allons calculer l'aire de cette surface brune. Mais là, on a un petit problème. Parce qu'une intégrale permet de calculer l'aire d'une surface qui est délimitée par le graphique d'une fonction et l'axe des x. Mais cette aire-là n'est pas délimitée par le graphique d'une fonction et l'axe des x. Elle est coincée entre ces deux graphiques-là. Mais on peut quand même la trouver par calcul intégral. Faisons un petit puzzle. Pour calculer l'aire de la surface brune, il suffit en fait de calculer d'abord une fois l'aire de cette surface-là. Ça, c'est bien l'aire d'une surface comprise entre le graphique d'une fonction et l'axe des x. Et de cette aire-là, nous allons soustraire l'aire de cette surface verte-là. Et cette surface verte est bien délimitée par le graphique d'une fonction et l'axe des x. Donc, encore une fois, pour trouver l'aire de cette surface brune, nous calculons d'abord l'aire de cette surface-là, dont nous retirons l'aire de cette surface-là, ce qui donne alors finalement l'aire de cette surface-là. Pour calculer cette aire-là, il suffit de calculer l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de la fonction racine carrée de x dx. Et pour calculer l'aire de cette surface verte, il suffit de calculer l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de la fonction x au carré dx. Donc finalement, pour trouver l'aire demandée, il suffit de calculer cette différence d'intégrale. Comme les deux bornes d'intégration sont les mêmes, on peut écrire cette différence d'intégrale sous forme d'une seule intégrale. Maintenant, pour trouver cette intégrale-là, nous allons d'abord primitiver racine carrée de x moins x carré, ce qui donne alors de suite 2x racine de x sur 3 moins x au cube divisé par 3. Et maintenant, nous calculons simplement la variation de cette primitive de 0 à 1. Ce qui signifie, on calcule d'abord cette primitive exprimée en 1, ensuite, cette primitive exprimée en 0, et on soustrait le deuxième nombre obtenu du premier. Ce qui donne alors finalement un tiers. Un tiers quoi? Mais un tiers du carré unitaire. Donc, cette surface brune-là, c'est exactement un tiers du carré unitaire. Et par symétrie par rapport à la première bisectrice, ce coin en dessous de x au carré a aussi comme aire un tiers, et celui au-dessus également. Nous voyons donc bien les trois tiers du carré unitaire. Nous avons de la chance, parce que les calculettes actuelles
peuvent aussi calculer des intégrales. Et pour cela, on utilise cette touche-là. Je clique dessus. Clique. Calculons par exemple cette intégrale. Donc le f de x à intégrer, on l'insère ici, et pour nous c'est x au carré. Donc je clique sur x et sur x au carré. Voilà, nous avons déjà le x au carré. Pour introduire la borne d'intégration inférieure, nous allons sur la touche vers le bas, clique, et là, on insère le 0, clique. Maintenant, pour la borne supérieure, on prend flèche vers le haut, et maintenant, on insère simplement le 2, clique. Et pour trouver la réponse, il suffit de cliquer sur Enter, sur la touche égale, clique, et hop, la calculette trouve bien 8/3.